Le rété dans même dossier, ça qui est pour avec mon quartier Bel Air, réseau national cap défendre droit, mon qui continue à dénoncer banalisation la vie mon dans sa cafette, dans localité Sida, dans dossier Bel Air, là. Habitants, toujours dans la rue, personne pas poté, c'est coup. Pierre Espérance expliquait quartier populaire, ça y'a pris un complot international. Devant ça doit mon rappeler Nations Unies refuser poter aide humanitaire pour mon Bel Air, sous prétexte, c'est un dossier politique. Devant ça doit mon fait qu'on est, y'a continué à recevoir victimes, jusqu'à présent, aucune institution dans l'État refusait pour eux ses coups. En côté Pierre Espérance. Je dis à nous, en façon pouvoir qui banalise la vie monde, qui a fait des répressions systématiques dans le quartier défavorisé, qui a violé droit à la vie, droit à la sécurité, droit au logement. Et mon zéro, c'est yon à la rue. Pas aucune institution dans l'État qui baille au accompagnement. D'ailleurs, c'est l'État qui fait Genève massacrer. Et ça, ça qui est plus grave là. Et depuis 2018, les massacres en série ont commencé dans le pays. Nous sommes 11e massacre. L'Agence des Nations Unies dit qu'il n'y a pas intervenu pour aider la parler agence humanitaire. Pour aider les victimes parce que son dossier politique. Alors que. Agence Nations Unies, agence humanitaire, pas gagné pour lui décider qui groupe monde qui a aidé les monde a fait problème, fait face avec problème, répression, violation systématique droit monde. C'est pour nous dire que je dis à un complot international contre PIA, côté que corps groupe là, pays qui soi-disant dit ce pays. Zami Haïti, nous font celle avec le régime PHTK, nous font celle avec Jovenel, nous font celle avec Genève pour terroriser la population et pour massacrer la population dans le quartier défavorisé. Mais maintenant, pour qui ça, pour y a massacré les gens dans le quartier défavorisé? C'est parce que le régime qui l'a aujourd'hui, hein, qui est sous pouvoir, son régime qui chita sous bandit. Directeur exécutif réseau national Cap Défense doit nous faire connaître visiter Abelson Goneg qui d'après défenseur doit nous en prison illégalement. Pierre Espérance fait qu'on est avocat qui a fait démarche pour libérer le défenseur doit nous critiquer persécution policier c'est tout policier qui dans syndicat PNH Lab Sibi à cause y a défendre intérêt majorité a Pierre Espérance quoi c'est population qui pour mobiliser pour chavirer pouvoir tête caléa un côté Pierre Espérance a toujours même coach Jean-Philippe Massir. Oui, Abelson Goneg na Loueli plusieurs fois et en prison côté lié et il en prison injustement pas gain dossier. Abelson Goneg pas jamais fait déclaration une fois pour te dit il en fantôme 509, il était toujours à prendre position pour et améliorer les conditions policières, même si même la police, c'est les policiers qui ont arrêté. Donc, il est en prison arbitrairement, illégalement, et avocat y a travail, et nous-mêmes, nous continuons à dénoncer persécution contre les policiers, et qu'a fait en institution la police, et je dis à la police, son institution qui est instrumentalisée. Bon, la police fait alliance avec Genève, et la police a li instrumentalisé, et comme. Et pouvoir sont alliés Genève et donc la police ne peut pas faire rien. La police a besoin de faire note. La police c'est gagné seulement pour à sécuriser la population. Il n'y a pas de rien. Et où est persécution systématique qu'a fait contre SPNH là? Côté que la constitution pays a bail et policiers ont droit pour faire pour syndiquer. Et bien, il y a une répression systématique qu'a fait sur eux. Côté que les policiers qui sont en fonction, sans inspection générale de la police, pas faire enquête, sans pas un rapport, déjà il y a envie de recherche et le commissaire gouvernement mettait mandat, alors que le chef Genève là revendiqué attaque qu'a fait sur la population Bel Air, vous pas attendre rien de commissaire gouvernement, vous pas attendre rien de aucune autorité, la police n'a pas fait rien parce qu'ils font alliance avec Genève pour terroriser la population et solution à une aujourd'hui à ces populations pour les décamper, pour mettre tête ensemble, mais pour faire solidarité avec victimes, faire un seul pour couper pouvoir dictatorial.
Voilà, déclaration responsable à réseau national Cap Défendre Mounio Pierre Espérance, toujours dans le cadre de ça qui est pour avec arrestation Abelson Groneglan, gain famille à Kazami Abelson Groneg qui marchait dans la rue de presse vendredi passé dans l'idée pour demander libération qui déjà passé plusieurs jours dans prison. La police utilisait gaz lacrymogène pour craser massa dans niveau la lit pas bon sans problème. Massa sorti risaillé dans Kafoufeuille à l'ité de Albout Douva au PC Office de protection citoyenne. Protestataires critiquaient façon à Belson Groneg jeune arrestation. Toutefois, ils ont exigé libération. En écouté quelques protestataires, ils ont même quitté nos micro collaborateurs, nous Alix Gauthier, concernant massacre qui a été fait côté divers militants, divers autres acteurs politiques qui ont même été répondre présent dans le cadre de mouvement sacré famille proche à Belson Groneg, été réalisé pour lui vendredi passé. En écouté comment ça a été. Voilà, c'est quoi ça s'atteye dans la report au presse vendredi passé ensemble avec famille, amis. Abelson Groneg qui était marché dans la rue. N'a toujours été ensemble avec dossier si là. Gen Abel Groneg qui c'est petit garçon Abelson Groneg. Il fait qu'on est là passé un mauvais moment à cause li pa ka wè papa le cap croupi dans prison. Abel Groneg exige un commandement pour libérer papa le pressé de côté. Abel Groneg dans micro Alex Gauthier. Voilà, ça c'est voix petit garçon à Belson Groneg, monsieur qui c'est Abel Groneg à côté le dit depuis les papal. Il a arrêté papa là, li pas vivre bien, il pas qu'à manger, la penser, la réfléchir, la demander libération papa là qui c'est Abelson Groneg. N'avancer avec information yo mais là nous pral parler l'autre dossier dans journal Méga Matin. Initiative religieuse pour la paix rentrer dans une démarche casser élan mobilisation avant référendum non réalisé 27 juin qu'a venir là pour dire bien démarche dialogue religieux pour la paix lui-même dit entreprendre là d'après directeur exécutif réseau national Cap Défendre Mounio Pierre Espérance défenseur droit mon croix est ça pas crédible pour mener démarche là à cause plusieurs membres religieux pour la paix gain acquaintance gain sociaux yo marié avec pouvoir si tout secteur vaudou hein, qui gain membre dans KIP gain ce sénateur Yuri Latortu qui peut précision sous nom AAA a été en action cap cité comme estricti politique qui demande religieux pour la paix fait intermédiaire bien joué rôle mi-temps juin là dans crise politique là
L'IDAA fait qu'on ait parlé à la religion pour la paix dans le cadre d'une sortie honorable pour chef l'État Jovenel Moïse depuis notre acquitté 7 février 2021 passé. Mais c'est pas pour organiser dialogue. Ancien sénateur a cru à travers Dimas Silla, il était prévu à force et président Jovenel Moïse respecter la constitution qui dit mandat a fini 7 février qui se passait là, qui dit mandat a fini 7 février qui se passait là. Yuri La Tortue fait qu'on ait été attaché à la position d'Ir Podlan qui fait qu'on ait médiaté ça pas crédible. En côté, ancien sénateur Yuri La Tortue, dans le micro, Romane Samedi. Non, Haïti en action, pas jamais écrit religion pour la paix. Moi, je dis, moi, explique le truc là. Avant 7 février, Haïti en action, je dis, pour un départ ordonné. Nous demandons pour un départ ordonné. Et me défends pile rencontre à société civile, et droits humains, barreaux, en pile organisation, et parmi lesquelles, tu as une religion pour la paix, pour nous te dire. Et que, et surtout, Monseigneur Dumas, il faut prendre courage à demain. On a réunion, oui. Il faut prendre courage à demain pour aller dire, le président Jovenel, que Madala a fini le 7 février 2021. Donc, c'est pendant la réunion, nous avons cherché à parler à tout le monde pour nous dire que, et mais ça, article 34.2 a dit. Mais nous n'avons écrit aucune organisation, ni Mandeo, qui a joué rôle, bon office. Donc, c'est peut-être ça que nous devons rectifier ça. Deuxièmement, moi-même, tout le monde toujours connaît son aigle, le golding, le bataille, moi bataille. Bataille, oui, l'idée est claire, c'est l'application de l'article 134.2. Et dans ce sens, ça, il dit que mandat, eh bien, Jovenel Moïse fini. Direction politique, opposition, rappelé religion pour la paix. Fausse côté, l'ipakage rôle médiateur dans la crise politique là. Sans compter bon rapport lié avec régime tête Kalea. Ancien sénateur Souelia, c'est rappelé Conseil sécurité OEA ak ONU te écrit président Jovenel Moïse pour faire médiateur à la crise là. Chef l'État pas jamais d'accord. Cependant, c'est parlementaire quoi fort gon chita parler dans pays là qui pas même épané parti PHTK pour jouer une solution ensemble avec crise là qui a brassé bill payant côté. Ancien sénateur Souelia, c'est dans micro Romanès samedi. Position l'église catholique claire. Pas entrer l'église catholique dans ça. C'est vrai, il est dans la religion pour la paix, mais position claire. Et au pas de signature dans toute démarche, ça veut qu'on fait. Et deuxième bagaille que je me dis, c'est que, alors troisième, religion pour la paix, il y a un fausse côté. Et nous dit, pas oublier, il y a un secte dans la religion pour la paix qui est membre dans le CEPA. Mais nous comprenons. Mais l'on a fait une médiation. Ou qu'il y a toute qualité, mon dans toute qualité secteur. L'on a fait un dialogue. Même lorsqu'on médiateur, même lorsqu'on l'amite, on a gagné toute qualité de monde, pour chaque monde rassuré de confiance que on fait et institution ça. Et religion pour la paix sont institutions qui gagnent plusieurs religions là-dedans. Donc, je pense que c'est clair pour vous. Premier bagage qui dégage la caille pas nous. Quelle que soit médiation qu'on a faite là, nous dit que médiation ça va le faire au haut niveau, tant national qu'international. Parce que nous clés. C'est vrai, nous besoin, on pense pour nous réapproprier le pays. Mais l'État international, s'il te juste font l'aide, ou bien la dernière message, il voulait accord groupe, il te dit que lui-même, il n'est pas d'accord avec l'élection, il n'est pas d'accord avec le référendum. Je venais le tomber déjà, oui. Gagné un coordonnateur général Fonds national pour démocratie à Serge Jean-Louis qui fait connaître ses présidents Jovenel Moïse qui campait derrière l'initiative religion pour la paix. Serge Jean-Louis fait qu'on opposition à Paris pour discuter avec la communauté internationale là pour débarrasser pays avec chef l'État. Ancien député Marchand de Salines rappelé gros rôle pays ça a souvent joué dans la vie politique en Haïti. Cependant responsable FND a précisé discussion de chita sous départ président Jovenel Moïse qui gagne mandat fini depuis la date 7 février 2021 passé. En côté, Serge Jean-Louis pour plus de détails. Ah, là, nous avons demandé de solliciter un dialogue ou médiation, c'est droit. Moi, je ne crois pas que c'est un gros problème. Vous va comprendre. MTV dans le droit faire, c'est droit pour faire ça. Et nos périodes bien déterminées. Maintenant, mais la vie vivée, la situation évolue. Nous gardons des bails, ça. Jovenel qui est elle. Jovenel qui est elle. On y a comme ce Jovenel qui d'elle. Et nous-mêmes pour nous. Non, il a fait ça. Il a fait ça. Parce que, vous pouvez bleu, parce qu'ils sont menteurs. Parce que personne ne paye fait confiance. Vous comprenez ça? Là, nous courons nos côtés de ça. Nous-mêmes. Non. Paul Yoréini, mais comme démocrate, nous va opposer un principe de dialogue. Qui base? Non, ici qui base. Nous disons qu'il y a des gens qui ne parlent pas avec Jovenel, parce que madame, c'est fini. Madame, c'est fini. Non, 6 février, nous désignons un président de l'opposition. Il est messager, lui. Juste pour le croyant, c'est après ça. Mais nous dit,
compagnie parce que nous faisons pas quatre mouvements, monsieur là. Dans mon appareil, nous va faire langue de bois, la communauté internationale, notamment les Américains. Parce que dans les 30 dernières années, si vous voulez, toutes les décisions politiques sont réfléchies, planifiées à Washington, exécutées en Haïti. 6h05. Information après poursuivre sur antenne Radio Méga. Fin mandat Jovenel Moïse, libération prisonnier politique. Procès Grégory Saint-Hilaire et Maître Monfilier Dorval déposé comme condition avant même yal sous table discussion. D'après représentant tête ensemble Hugues Célestin qui dresse un tableau sombre sur situation socio-économique paysanne côté Hugues Célestin dans micro Romanès samedi. M'a approché question avec une vision prospective. Vision prospective là, c'est ça m'a engagé et dans l'avenir. Combien m'a engagé dans l'avenir. Et c'est prospection m'a fait. M'a pas capable d'engager nos négociations pour pas gagner un contenu bien défini. C'est l'infini engagé. Où est toute négociation à engager nous là? Il faut que clair la question de mandat de Jovenel Moïse. La libération des prisonniers politiques. Tant qu'on matrice là, tête ensemble, Diopod, FND et l'autre entité qui prononce, ils ont clairement dit ça. Libération des prisonniers politiques, arrestation des massacreurs. Moun ka fait massacre, moun ka fait, et tout le monde connaît, par exemple, ou pas qu'à rentrer dans le bagage là, sans qu'on pas poser le procès de étudiants qui ont tué dans l'école normale là. Tout le monde connaît qui laisse, Maître Dorval, ainsi de suite. Et puis, pour m'arriver dans la mise en place un gouvernement qui est capable d'établir la paix et la sécurité et réaliser l'élection pendant l'élection. Ça, il aura le fait en prélude. Gagné ancien sénateur Antonio Cherami dit Don Kato qui m'a dit tout côté religion pour la pétayer les massacres qui t'a fait sous Bel Air massacre qui fait sous mon la Saline massacre qui fait sous mon Cafoufeuille les bandits t'a pas kidnappé fidèle en de l'église et jusqu'à présent mais bandits continuent à kidnapper fidèles divers sectes religieux l'idée matrice libération critiqué escriti ça il dit qu'il pas de jambe qu'en position en faveur citoyen il y a un moment crise non un sénateur Antonio Cherami lui même fait qu'on est là, c'est pas tout esquiti qui a mené des masses là, qui est capable de mener, hein, qui est capable de jouer rôle mi-temps jouet là, c'est juste qu'un grain de mafia qui a réglé les affaires PHTK. En côté sénateur, c'est sénateur Antonio Cherami. C'est notre personnalité morale qui y est. Avant même que y rentre dans la logique démagogie ça, on pensait même pour là, même pour faire la face, y a sorti une note pour dire mes amis, nous tendez, yo kidnap un pasteur pendant la prière. Nous déplorons, nous pas ouais notre ça. Moun belle nous dit est-ce qu'elle au courant dans moment côté la demande dialogue pour job là. Est-ce qu'elle au courant moun belle bon grand moun qui est 86 l'année monsieur grillé. Moun belle c'est sous place publique qui a dormi jodi a. Yo couri qui te caillou en babal. Est-ce que religion pour la paix au courant? Religion pour la paix en dans n'importe qui pays qui t'a sorti son note pour te dire gang Genève qui allié avec Jovenel là mes amis tant pis peuple défavorisé a besoin de la paix. Yo pas fait notre ça, yo raté occasion pour nous te prendre au sérieux. L'autre bagarre encore. Nous dit pas qu'à religion pour la paix, est-ce que pas au courant? Jovenel veut faire référendum dans deux constitutions qui interdit. Est-ce qu'elle pas au courant toute institution nous yo âgé nous jodi an yo pas jamais exprimé yo l'autre bagaille qui plus grave encore nous même au niveau matrice nous pas lever et puis n'a pour remonter nous al faire recherche et nous vinn réaliser c'est pas religion pour la paix et dans toute dimension le capaji mais son parti mafia en dans religion pour la paix manipulé par Jovenel Moïse parce que l'on pour un monsieur Takou Dumas, son monde profite occasion pour moi saluer pour toute dernière bataille que mené dans non, bon Dieu, pour peuple défavorisé. 6h10. Ancien sénateur Antonio Cherami bay garanti 27 juin cap vini la pape douce pour gouvernement qui prévoit organiser référendum. Ancien parlementaire a rappelé des masses illégales, population a campé en face à projet sans côté l'autre fois Antonio Cherami. Nous-mêmes, nous clairs au niveau matrice.
n'a goumé pour jusqu'à ce que nous arrivions dans le dégapissement, parce que c'est nos projets de dégapissement, nous-mêmes nous inscrits et tout. Non seulement nous inscrivons nos projets de dégapissement criminel, et nous inscrivons tous nos démarches libération pour massio, parce que je dis à bon garantie, si c'était Soleil, pas en otage, Belay pas en otage, La Saline pas subi gros massacre ça yo, Belay pas subi gros massacre ça yo, et Badelma pas en otage, bon garantie, l'autre Simon Pelé zone ça pas en otage, bon garantie les pour ça problème ça résout déjà, parce que en 86 moun yo te résout problème nan. Bon fini à bon sénateur. Et je dis, vous pensez, référendum, non. Jovenel qui doit prendre ses journées, ça c'est pour l'île, pour le bon. Il doit prendre ses journées, il doit prendre espace ça, pour inviter les gens dans le référendum, non. C'est pour l'île, pour le bon. Voilà, déclaration, c'est sénateur Antonio Cher, ami, qui est même c'est responsable, une responsable, structure matrice, libération. N'a toujours avancé avec information, ça qui est pour c'est une déclaration qui fait à bon côté différents acteurs dans l'opposition, bien dans la société civile, là, concernant Jean, série décision, ça, ou après un bon côté pouvoir en place, non. Il y a comme organisation politique syndicale, la populaire, qui voyait jeter bien loin, démarche, dialogue, religion pour la paix, les encryptant avec acteurs politiques, si on a l'idée, pour jouer une solution à crise, Brasse Bill Pia Denis Tonseyo, c'était Caliste José Mérilien, voyons Pinga, ben, toute l'idée en opposition, qui t'a gagné l'idée, Alchita Palais, qui a président Jovenel Moïse, José Mérilien, rappelé mandat locataire par le national, qui c'est Jovenel Moïse, bout depuis 7 février 2021, passé à là, nous prêts à inviter nos côtés, responsable UNOA, José Mérilien, qui est même tout, qui en dedans, combite, organisation syndicale, la CAP populaire, côté Youth, l'été réagit à la presse, vendredi passé dans le cadre de la conférence si la écouté José Mérilien pour plus de détails. Nous-mêmes, au niveau combat, au niveau recoupement de l'organisation, qui a pu être toute militante sous béton, hein, nous croyons que faut gagner bon genre dialogue, bon genre entente entre tout acteur dans le monde politique, là, dans la société civile, là, qui pas reste avec nous, qui pas espion. Communauté internationale raciste qui a appuyé aux équipes raquettes criminelles qui a besoin de peuple là. Et nous-mêmes, nous pensons que c'est important, au contraire, pour que tout acteur dans le monde politique là, tout acteur dans la société civile qui pour un pays grand monde, côté ces peuples haïtiens qui a décidé qui se trouve dans le pays, un pays côté de l'occupation. Le pays qui a dit qu'après avril en main, tout accessible doit continuer. Dialogue qui était déjà entamé et qui était abouti à accord 30 janvier. Côté, il était clair. Faut que je dois aller sans condition, sans négociation. Deux, faut que traverser notre rupture pour nous construire Haïti qui n'est pas bandé. Donc, nous allons gagner pour entrer dans le dialogue. Et avec le pouvoir criminel, okay, pour nous organiser nous souterrains, hein, pour nous river, faire que nous soutenons soutenir et faire le pays, jusqu'à ce que nous puissions nous cacher. Sous ça, nous clair, tout le monde qui passe à côté pour aller dans le dialogue et trahison, nous disons, peuple là, ouais, et peuple là, veille. Là, tout le monde en général, pas de faire petit couloune. Côté, il y a des cap à l'enjeu qui allait dans le blanc pour l'élection, sans que le peuple là, ça ne va pas venir à tradition, il va venir à deux. Ça veut dire que nous allons à deux. Responsable alternatif socialiste Jean-Hunol Buteau, lui-même tout voulait jeter dialogue religion pour la paix à Palina, mais t'es acteur politique, yo. Docteur Buteau dit religion pour la paix pas crédible pour le temps à réaliser, plan si là, parce qu'elle gagne secteur, non plateforme ça, qui membre conseil électoral provisoire. Jean-Hunol Buteau, tenant micro Peterson Blaise. Religion pour la paix, pour moi, bien aller, même au-delà de sa religion pour la paix dire. Son stratégie même que l'international la guerre, ils ont mis au niveau de violence, ils ont mis au niveau de criminalité dans le pays, avec kidnapping, avec vol, avec répression sauvage, avec sac arbitraire gouvernement fait, révoquer jusqu'au cassation, nommer jusqu'au cassation.
Pour y a, sans wagonner, on vient qualifier certains groupes politiques, dont on dit là, opposition radicale, et soi-disant, il y a quelques autres opposants qui pissagent, entre guillemets. C'est eux qui comprennent. Donc, comme ils comprennent, ils peuvent rentrer dans une sorte de logique. Et justement, ces jouets de violence-là, même il y a fait, comme ils ont fini tout pis de population, ils ont tout pis de classe politique-là, ils ont même, ils n'ont pas gagné pour soutenir, ils n'ont pas gagné pour qu'ils pour continuer. Camper pour contre vraie revendication population, revendication justice, revendication contre crime, revendication contre les actes arbitraires du gouvernement à faire. Donc eux-mêmes, ils ont commencé déjà prêt pour faire concession. 6h15. Voilà, un mot dit au top côté, intervention responsable alternative socialiste Jean-Enold Buto qui lui-même tout voulait jeter dialogue religion pour la paix parler en même temps acteur politique on a l'idée pour capable joindre solution ensemble avec crise cap brasser un pays. Nous prenons pour l'autre information sévère. Après, d'un côté, c'est acteur Sayo, c'est différents, on dit syndicalistes, militants de base Sayo, important pour que là, nous parlions l'autre sujet. Qui sujet nous allons parler là dans le journal, là? Est-ce qu'on est un ensemble de localités, un ensemble de communes, je veux dire, dans le pays? J'en étais toujours dit, l'État pas présent, et l'État pas présent dans tout niveau, ben, côté l'État qui a fait un crasse présent, yo, service de concentré, yo, moun yo, pas jeune vraiment à temps. Et ça qui gagne gros impact sous fonctionnement, mais sous la vie moun yo. Souvent, ce qu'on dit, eh bien, j'en ai toujours dit là, Port-au-Prince, par résumé avec Haïti, eh bien, nous décider tout, eh bien, aider moun yo qu'on est, comment ensemble de communes, ensemble de localités à vivre dans les temps ça, yo. Oui, c'est ça, puisque faut nous le permettre, l'autre monde qui nous zone reculée, permettre autorité, autant des voix, yo, c'est peut-être ça, ça, la nouvelle là, et pral permettre tout à des reportages ça qui réalisé dans en commune Boucan Carré gain divers habitants dans commune ça qui les fait voyons pour dénoncer mauvais conditions y a vivant dans collectivité ça yo dit y a fait face avec problème de l'eau santé route dans sens ça yo mandé autorité concernée voyager garder moun ça qui dans Boucan Carré en suivant reportage à collaborateur nous Blaise Peterson. Même Jacques, diverses collectivités territoriales dans le pays qui a fait face avec plusieurs problèmes, tant coup, de l'eau, route, l'hôpital, l'école, pour ne citer ça seulement, situation ça yo, pas différent pour monde qui vivent dans la commune Boucan Carré, qui trouvait dans le département centre. Dans même sous côté bête, yo toilette, c'est de l'eau ça yo, paysan prend pour yo servir, et puis c'est un pile marché pour yo fait, avant yo réussir à arriver dans la zone côté sous t'en trouver là. Sinon, de quoi, habitants ça qui profitaient critiquer, dirigeant yo, dans dîner pas, les dit qui pas fait un rien, pour moun nan Boucan Carré, je n'ai de l'autre côté pour yon servir. Nous tellement manqué de l'eau, vous regardez où est côté bête à bré de l'eau, c'est là où est moun gal baissé, vaisseau pour yon prendre de l'eau pour yon boire. Et je ne j'en dis à la, vous avez malheureux à lui-même, la parcouru n'est pas 30 à 45 minutes pour la prendre un petit gallon de l'eau pour le boire. Il n'est pas arrivé Boucan Carré, il n'est pas Boucan Carré, mais il n'est pas arrivé. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles nationales à lycée dans la commune, nan, mais c'est presque yon seul qui construit. L'autre yon, c'est un bavier tol coulé avec un mousse au bloc sous n'importe moment qui capable tomber en haute tête élève yo mettez sous ça professeur qui compte faire plusieurs semaines par vin travail à cause yo dit l'état de yo parole citoyen ça pendant demander autorité concernée yo voyager garder dans condition élève yo dans Boucan Carré apprenti crasse l'évasion plusieurs écoles nationales mais sauf rien qui pas en état ça veut dire yo pas rien construction ti moun yo a mal fonctionné ti moun yo pas rien côté pour yo chita ou après des fois bout bloc qu'on a tombé sur yo surtout dans l'école centre ville là qui c'est l'école nationale cap l'état. Habitants, ça fait qu'on est, il y a deux hôpitaux seulement dans la commune pour capable servir toute population. Pendant qu'elle a profité à tirer attention, autorité concernée, on l'a dit, en pile froid, il y a un pile habitants qui ont perdu la vie, les a sorti dans la section communale, route yo pas bon, avant pu aussi arriver dans l'hôpital, c'est là, yo. Nous gagnons, on t'a dit, dès l'hôpital. Nous gagnons l'hôpital, Zami la Santé, alors qui c'est, qui dans centre-ville, qui c'est Atleta. Ensuite, nous gagnons l'hôpital qui gagne Kange. Non, non, il n'y a pas de besoin de population du tout. Parce que, regardez, on prend les cas et petite montagne. Deux mouns qui ont sorti petite montagne avant d'arriver dans l'hôpital, Zami la Santé, soit Kange ou du moins Atleta. Yo mouri nan route. Phénomène insécurité à Blaïkol dans la commune Boucan Carré. D'après habitants ça, qui fait qu'on est, c'est chaque soir, nèg avec un gros âme à commettre via action sous paysan yo. Et puis, voler bête yo. Nous avons problème de sécurité, nous avons problème. Nous avons problème de sécurité. Avec chaque section communale yo, et moun yo pas dormi à l'aise, bête yo lagé, yo pas une sécurité pour, yo pas une moun qui pou bête yo sécurité.
moun y a cassé caille ceci ça pas bon du tout. C'était une occasion pour habitants ça attirer attention au commandement PNH tant autorité concernée yo dans mauvaise condition police de travail dans collectivité ça côté le fait qu'on est c'est un commissariat ak un sous-commissariat qui gagne qui pas même gagne effectif policier là-dedans pour capable accompagner population. On regarde les policiers côté policier a dormi moi même qui me fait mal de temps en temps y a mettre matelas dehors c'est ça pas normal un policier doit traiter le d'une façon ça veut dire n'a demandé avec alors autorité concernée yo, et pour prendre mesure parce que policier a mal fonctionné. N'a fait qu'on est commune Boca Carré, c'est deuxième commune qui pi gros dans département Saint-Lan après commune Inch. Ligue la donne trois sections communales, Petite Montagne, Ro ak Boca Carré, Debaye. Blaise Peterson, Radio Mega. Voilà, et Port-au-Prince, Haïti par la République de Port-au-Prince, gain zone reculée, j'en ai pas parlé ça semaine dernière, gain des zones, yon juste de parler, gain au président, juste de parler, gain au premier ministre, gain, yon Kazek. Bon, on fait des dossiers ensemble avec des Kazek. Kazek là, c'est les mêmes qui papa, en section, hein, parce que toute bagarre, c'est sous responsabilité. Tandis que qu'on fait plusieurs mois, y'a pas payé, c'est avec zone que y'a pas travail. Y'a un pile monde, malheureusement, Blaise, qui, pas joint service. Et tandis que y'a payé taxe, puisque y'a l'argent, y'a acheté marchandises, et sous chaque bagarre, y'a qu'on est, toujours gain taxe. Mes amis, c'est ça qui fait, différence ensemble avec Radio Omega, c'est aller à joindre, et félicitations Blaise, nous n'avons pas prêté seulement ça, il y a l'autre zone et qui a besoin de faire tant de voyaux et nous connaissons un gros bout de tonton radio, autorité ou aptade ou capable de faire suivi ensemble avec dossier ça. Nous souhaitons pas gagner l'autre reportage qui a sorti dans Boukakaï puisque c'est sûr et certain que l'autre problème est à confronter. Moi avec vous, ensemble avec notre collaborateur, fait travailler ça dans sa nouvelle Radio Mega. Moment arrivé Marcel avant nous aller avec Rubika Cap sur certain dans le journal là, pour nous permettre Mounio Jeanne de dire l'antilan, dans pays Bahamas, autorité a prolongé pour un mois interdit voyage entre Haïti et Capéissa. Une mesure qui était adoptée à cause de la propagation COVID-19 avant le coronavirus. L'ambassade d'Haïti dans Bahamas a organisé une autre rencontre avec Haïtiens sous projet Nouveau Constitution. Nous allons inviter nous tendez exactement suivre un circuit avec collaborateur nous depuis Pays Bahamas qui c'est Ronald Pierre avec l'île Praldi non plus Nantes concernant un dossier Silayo. Yo bonjour pour l'équipe à Radio Média. Yo bonjour pour l'équipe Radio Média Port-au-Prince et dans Miami. On a démarré avec information sur troisième interdiction de voyage entre deux pays. Mais on note le presse à cap circuler dans les médias. Gouvernement Bahamas a pris une autre interdiction de voyage qui commençait aujourd'hui lundi 12 avril là depuis minuit et sonné. Qui spécifiait dans paragraphe 3 et interdiction ça a pas de vol maritime et aérien entre Bahamas et Haïti. La durée une période de 1 mois. Autre information, nous parlons de l'île Abaco. Autorité a fait une descente de lieu dans la zone trésorée dans fin de semaine. Le ministère des Travaux publics a déclaré l'opération ça qui était faite par un bon résultat. Il était coordonné avec la force de police, par AMIENA, différentes forces, département custom et immigration. Opération ça a été faite dans le ghetto côté force récupérée. Tant gaz, appareils électroménagers, générateurs,